Et bonjour, nous revoilà pour une nouvelle vidéo de la semaine. Alors là, je vous ai sorti un bon tour qui s'appelle Rêve d'un soir. J'adore, j'adore, j'adore le faire. Ça fait vraiment partie comme donc No Comment, Exploit, Rêve d'un soir. C'est vraiment des Ultimate Carpentier. C'est vraiment les tours que j'ai tout le temps et que je fais tout le temps, que je me trimballerai tout le temps avec moi. Parce que déjà, ça c'est un jeu blanc. Donc on range un jeu blanc pour prendre un autre jeu après. Ça paraît moins louche que si on pose un jeu bleu pour reprendre un autre jeu bleu. Je sais qu'il y en a, ils prennent un jeu de cartes et ils font leur spectacle avec, mais pour ceux qui veulent des jeux truqués qui fonctionnent, ça c'est très bon. Alors comment fonctionne le tour? Vous arrivez, vous montrez un jeu blanc. Donc regardez l'histoire que j'ai racontée, que je dis toujours j'ai fait un rêve, que j'ai un jeu blanc d'un côté, un jeu blanc de l'autre. Et là je pose la question par exemple à Jérôme. Dans un jeu de cartes, et tu sais qu'il paraît qu'il y a des rouges et des noirs, lequel tu n'aimes pas, le... Oh, j'aime pas les rouges. Le rouge, d'accord. Par contre, dans les rouges, il y Non, a... j'aime pas les noirs. Comme tu veux. C'était pas une blague, mais non, j'aime pas les cartes noires. Je préfère les D'accord, cartes t'aimes pas les rouges. noirs, c'est sûr? Ouais. T'aimes pas les cartes noires? Oui. Bon. Alors, dans les rouges, il paraît qu'il y a deux sortes de rouges. Il y a le carreau et le cœur. Allez, c'est Lequel des ça. deux tu n'aimes pas? On va prendre celui que tu n'aimes pas, cette Allez, fois-ci. celui que j'aime pas. Le rouge, le Allez, carreau ou Allez, le carreau. le carreau. Par contre, dans les carreaux, il y a tous les chiffres, des figures, des dessins, des yeux. Lequel tu préfères? Donc là, il n'est même pas compris, je remets, il connaît le Le tour, mais 4. le 4 de Ben carreaux. deux carreaux donc. Donc dès que je vois un 4, je le pose. Ouais, voilà, on me l'a mis à l'envers. Voilà. Là, le spectateur, on peut lui donner une partie du jeu pour qu'il cherche lui aussi des cartes. Et on se retrouve avec 4 cartes sur la table. Et on peut dire, ben. Voilà le pique, le cœur, le carreau, le trèfle. Quatre cartes, le pique, le cœur, le carreau, le trèfle. Ah, pardon. Oui, voilà. Donc là, je ne sais pas si tu peux jouer, Jérôme. Ouais. Ouais. Allez, tu poses deux doigts sur deux Ah, deux cartes. doigts, ça va être dur. Allez. Bah si, bon, allez. Deux doigts sur deux cartes. Lequel tu veux qu'on enlève? Celle-là. Celle-là? Non, celle-là. Celle-là? D'accord, allez, on pousse. Donc il en reste trois. Lequel tu veux qu'on enlève? Allez, celle de à ta Là? gauche. À ma gauche, là, Ouais. ok. Et maintenant, on met le doigt sur une seule carte, une seule. Parce que là, tu as relevé le carreau, le trèfle, le cœur. Tu arrives à voir où c'est? Là, et ça, c'est le trèfle, cœur, pique. Et il reste le 4 de Caro. carreau. Et ça marche. Voilà. Donc là, je l'ai fait en rapide. Regardez la démonstration que je fais en live avec avec des gens. C'est vraiment bonnard parce que moi, je joue à la fin. Je dis ça, c'est carreau, ça, c'est pique, ça, c'est cœur, ça, c'est trèfle. Et là, c'est carreau, et là je m'arrête là. Il pense que c'est fini, donc c'est bidon. Et quand je la retourne, ça fait un bang extraordinaire. Et ce qui est bien, c'est que si vous savez après manipuler, vous pouvez dire, mais de toute façon, vous avez compris que tout ça n'est qu'une illusion parce que le 4 de carreau n'a jamais existé, il a complètement disparu. Donc là, vous les perturbez encore plus si vous savez faire du Hemsley. Voilà, ça c'est bien parce que c'est original d'arriver avec un jeu blanc qui est vraiment blanc du début jusqu'à la fin et que d'un seul coup la carte qu'ils ont pensée elle apparaît. Ça plaît, le magicien se régale à le faire en même temps et voilà, j'adore. Tu as quelque chose à dire, Jérôme? Non. Non, c'est bien, j'ai tout dit. Je suis trop Ouais. fort, je suis trop fort. Bon, ben merci à vous. Donc, je vous ai fait Explora, je vous ai fait Rêve d'un soir dans la même semaine et même l'autre, c'était, je ne me rappelle Fade plus, out? Fadeo. Non, c'était pas ça Non. hier. Cyberpièce? Cyberpièce, voilà. Un tour de carte, un tour de pièce, deux tours de carte, un tour de pièce, c'est la même semaine. C'est parce que c'est les vacances, là, il y a 3-4 jours de pont et ça vous permet de faire votre choix et de vous emballer sur les tours. Voilà, faites-vous plaisir. Si vous cherchez un tour, n'importe lequel que je vous ai montré là aujourd'hui, et ben t'es le bon, parce que c'est top. À bientôt, bye bye.